Un château autrefois refuge d'œuvres d'art, des œuvres spoliées et parfois restituées, et la Normandie, nouvelle muse de David Hockney, c'est le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche. Soyez les bienvenus. On commence avec une histoire méconnue, celle du château de Valençay dans les années 40. Le lieu abrita pendant la Seconde Guerre mondiale des centaines d'œuvres d'art transférées depuis le Louvre pour échapper au pillage des nazis. Une exposition est en préparation sur place pour retrouver cette histoire. Valérie Gaget et Jean-Marie Lequertier. Ce château colossal, entre Berry et Val-de-Loire, a appartenu au prince de Talleyrand, célèbre diplomate du XVIIIe siècle. Histoire moins connue, il a aussi joué un rôle essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir de septembre 1939, de nombreux chefs-d'œuvre en exil, déménagés du Louvre et d'autres musées parisiens, y ont trouvé refuge. Valençay fut l'un des 44 dépôts vers lesquels les collections nationales ont été évacuées. Situé en zone sud, sous la ligne de démarcation, il abrita des trésors inestimables. Il a été sélectionné parce qu'il était assez isolé. Il avait assez d'espace pour pouvoir abriter des œuvres colossales comme la Victoire de Samothrace. Et aussi parce qu'il avait un atout, c'est qu'il avait un coffre. Donc on a pu y cacher les joyaux de la couronne de Napoléon Ier, la couronne de Louis XV, le diamant, le régent. La directrice du château et son conseiller artistique préparent pour mars une exposition sur les années 39-46. Cette photo, je trouve cette photo très émouvante là. Il sélectionne des images étonnantes, comme ces camions qui ont déposé à Valençay 1084 caisses contenant tableaux, sculptures et autres meubles d'art. Pour l'affiche, ils ont choisi ce cliché symbolique, la Vénus de Milo encordée. L'œuvre la plus imposante avec la Victoire de Samothrace, 3,25 m de hauteur. Il a aussi, vous voyez, des très belles photographies où on voit la Victoire de Samothrace en train d'être descendue pour aller dans Valençay. Donc tout ça, c'est des moments quand même complètement incroyables que personne, en fait, n'a vu. Ces photos sont totalement inédites. Et donc rien que ça, c'est d'une émotion extrême, je dirais. Le propriétaire de l'époque, duc de Valençay, dut partager les 110 pièces de son château avec un conservateur et des gardiens dépêchés par le musée du Louvre. Il refusa d'être dédommagé. Les caisses s'entassèrent partout, dans le grand salon de Talleyrand, la remise ou encore ici, au sous-sol. Les habitants de Valençay ignoraient pour la plupart la présence de ces chefs-d'œuvre. Cet historien local raconte que le 16 août 1944, le château a failli être incendié par une colonne SS qui ravagea la ville. Là, ce sont les impacts des balles qui ont été tirées par un Allemand sur le gardien du château de l'époque. Ils ont tout saccagé, cassé des portes, incendié 42 bâtiments et 8 personnes ont été tuées. Le château fut heureusement épargné par les Allemands. Et en 1945, ses chefs-d'œuvre exilés purent regagner la capitale. Le Louvre tendit les bras à sa Vénus et la bien nommée Victoire de Samothrace retrouva sa place dans Paris libéré. À la même période, d'autres œuvres d'art n'ont pas trouvé tel refuge. Dès 1940, les nazis pillent les collections des propriétaires privés, des familles juives en tout premier lieu. Nombre d'entre elles ne seront jamais rendues. Pour les descendants, c'est un travail acharné à mener aujourd'hui et un combat judiciaire pour parfois aboutir à une restitution. Regardez. Il y a quelques jours encore, ce tableau du XVIIIe siècle, volé par les nazis, était exposé au musée de Dresde, en Allemagne. Il vient de regagner la France. À l'origine de cette restitution, celle qui pose fièrement devant la toile ayant appartenu à son aïeul, Pauline Baer, une éditrice parisienne. Depuis 5 ans, elle suit la trace des œuvres de son arrière-grand-père, Jules Strauss, un grand collectionneur. Ses archives sont conservées ici, à la bibliothèque du musée d'Orsay. J'ai découvert, en fait, ici, sa collection d'art, dont j'avais à peine entendu parler, et dont j'ignorais tout, et il y a des dizaines de Degas, de Renoir, de Monet. En 1940, dans Paris occupé, le Louvre a été vidé, les tableaux mis à l'abri.
Alors les nazis pillent les collections privées, celles des familles juives en priorité. 100 000 objets volés, transférés en Allemagne, la plupart sont récupérés à la fin de la guerre, mais pas toujours rendus à leurs propriétaires. Pour les descendants, un travail de fourmi à mener dans les archives. Pauline Baer le raconte dans ce livre. J'ai pu retrouver ces preuves. Je suis allée en Allemagne aussi retracer un peu le chemin de ces pillages. Et j'ai retrouvé à la fois des réclamations de ma famille et des documents sur les œuvres elles-mêmes. À chaque fois, les descendants doivent répondre à la même question. Comment prouver que les œuvres appartenaient bien à la famille? C'est le défi relevé par Claire Touchard. Dans ses livres de comptes, l'exceptionnelle collection de son grand-père, René Guimpel, un marchand d'art résistant. Pour financer sa fuite, avant de mourir en déportation, il a dû brader 3 tableaux d'André Derain, un maître du fauvisme. Ses œuvres, les voici chez sa petite-fille. Après 7 ans de procédure, la justice a ordonné que ses toiles lui soient restituées. C'est ce qu'on appelle une vente forcée, parce qu'il a forcément vendu à bas prix, avec des intermédiaires. On ne sait pas combien il les a vendus. Ce qu'on sait, c'est qu'il écrit par ailleurs, à l'occasion d'autres choses, qu'il est très déçu du prix auquel les choses ont été vendues. Fin janvier, un troisième tableau de Derain, estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros, lui a été rendu par la ville de Marseille. Selon les spécialistes, des centaines d'autres œuvres au parcours trouble dorment dans les collections des musées en France et dans le monde. Une histoire loin d'être terminée. Dès la réouverture du musée de la Cité de la Mer à Cherbourg, les visiteurs pourront découvrir de nouveaux vestiges remontés du Titanic. Une 50aine d'objets retrouvés aux abords de l'épave à 4000 mètres de profondeur seront présentés. Une manière de replonger au temps de la Belle Époque et d'en savoir plus sur le mythique paquebot qui a coulé en avril 1912. Regardez. Il faut savoir faire preuve de délicatesse quand on manipule un livre retrouvé à presque 4000 mètres de profondeur. La société américaine RMS Titanic, régisseur officiel de l'épave, vient de confier 53 objets à la Cité de la Mer pour 2 ans. Ça fait évidemment longtemps qu'on travaille sur ces objets sur photo, qu'on a remonté le fil de leur histoire. Mais alors les avoir en main comme ça, en effet, c'était très très émouvant. Et de se rappeler toutes les histoires auxquelles ils sont liés, c'était particulièrement touchant. Comme ces chaussures en cuir qu'Edgar Samuel Andrew avait achetées pour le mariage de son frère aux États-Unis. Âgé de 17 ans, il étudie l'arithmétique en Angleterre. De son voyage en seconde classe, n'est remonté à la surface qu'une valise avec ses 3 objets. La valise d'Edgar a été remontée en 2000, ouverte et a subi de nombreux traitements pendant de nombreux mois, en effet, pour restaurer les papiers notamment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut admirer ces objets très très fragiles, mais qui ont subi des traitements très particuliers pour être stabilisés. Depuis 2012, la Cité de la Mer propose une exposition permanente sur le thème du Titanic. Cette année, elle vient d'obtenir l'exclusivité de diffusion des archives audiovisuelles de recherche sur l'épave. De quoi donner des idées à son directeur. Ce que j'aimerais, c'est que dans un avenir plus ou moins proche, j'espère 2024 en tout cas, c'est que le public, les enfants, les familles puissent, avec beaucoup de respect, descendre d'une manière virtuelle sur le champ de débris, sur l'épave, et à la rencontre des objets de ce champ de débris. La Cité de la Mer est prête à embarquer les visiteurs dans cette aventure, mais en attendant le feu vert du gouvernement, ses couloirs restent vides. Et pour finir, direction la galerie Le Long à Paris, qui met à l'honneur David Hockney. Installé depuis 2 ans en France, dans le pays d'Auge, le célèbre peintre britannique présente une nouvelle série de peintures et de dessins réalisés là-bas, dans sa nouvelle région d'adoption. Puisque les galeries sont ouvertes, nous sommes allés y faire un tour avec James André. C'est l'artiste vivant le plus coté au monde, David Hockney. L'artiste britannique s'est trouvé une nouvelle muse, la Normandie. Il s'est installé il y a 2 ans dans la région, c'était avant le coronavirus. Il est très heureux. Il a vécu le confinement comme une aubaine. Il n'a pas de visiteurs, pas de journalistes, pas de quémandeurs, il ne voit personne. Il a peint pendant des années la Californie, il en avait un peu fait le tour, il en avait assez de ce ciel qui est toujours bleu. Ensuite, il est revenu en Angleterre, dans le Yorkshire, il est resté une dizaine d'années, il a peint les paysages anglais. Et il a trouvé ici, en Normandie, une autre lumière.
Les musées sont fermés, alors les visiteurs se pressent à la galerie Le Long, voir l'exposition qui lui est consacrée. C'est tout à fait essentiel, autant que mon commerce à moi qui suis bouquiniste sur les quais de Seine. Parce que sans nous, sans la culture, disons, je crois qu'il n'y a plus de vie. Des dessins et une dizaine de peintures inédites sont présentées. Elles évoquent le cycle des saisons, toutes plus lumineuses et colorées, les unes que les autres. Je sais qu'il travaille beaucoup sur iPad dernièrement. Et là, je me rends compte que ce sont des tableaux avec de la vraie peinture, en quelque sorte. Et j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup sa vision de la nature. C'est joyeux, ça fait du bien. C'est le printemps. Donc on vient voir des œuvres, mais c'est aussi pour se faire du bien au moral. Pour les amateurs de David Hockney, c'est une belle occasion de voir ces pièces rassemblées. La cote de l'artiste britannique ne cesse de grimper. Tous ces tableaux étaient vendus avant même l'ouverture de l'exposition. Et avant de se quitter, je vous laisse découvrir quelques images d'une autre exposition à la galerie Kamel Menour à Paris. Elle présente jusqu'à fin février une œuvre immersive et en mouvement des deux grands artistes français Daniel Buren et Philippe Parrainot. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres actualités culturelles sur France 24. Vous avez regardé votre programme avec la Smart EQ42 100% électrique. Smart. Oh là, ça va pas du tout ces cheveux, faut que j'aille chez le fleuriste. Choisir le bon spécialiste, ça marche aussi pour vos portes et vos fenêtres. Votre programme avec Maison du Menuisier.